Effectivement, Monsieur le Président, j'aurais voulu passer toute la nuit avec vous. Mais il se trouve que, bon, pour le moment, c'est ma première tournée dans les paroisses. Donc, je passais juste pour vous saluer, vous encourager, vous transmettre les encouragements de Papa Zibou Nyakor, chef suprême de l'Église de Iba. Demander de visiter toutes les paroisses et de lui faire le point de la visite. Donc je suis là à ce côté. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de rentrer en Estonie à la date indiquée par les chefs suprêmes. Il m'a aussi demandé. Peut-être c'est ce qui va rallonger un peu mes nouvelles. En 5 minutes, je pense que ça pourra tenir d'expliquer, puisqu'il y a beaucoup d'incompréhensions par rapport au choix de cette date. Je vais expliquer rapidement. Je pensais que le Démaba était au cœur des débats. Donc on dit au choix de cette date. Hein, il m'a dit de venir appuyer la voix du Démaba. Pas qu'il y a des contestations à partir d'ici, mais comme vous savez, nous sommes tous ambassadeurs de nos différentes familles, de nos villages à Abidjan. Parce qu'autant que nous sommes ici, on a différents villages, et souvent, au village, les gens se réfèrent à nous pour prendre un certain nombre de décisions sur le plan religieux. Le chef suprême donc, m'a demandé de vous dire que la date du 4 mai au 3 juin est effectivement la bonne date de messe de nuit. Il m'a demandé de vous faire remarquer que, vous savez, les lésés sont là, ils sont mieux outillés que moi pour le dire, mais dans l'histoire des chefs suprêmes, si je ne me trompe pas, peut-être le chef suprême qui a fait le plus de temps sur le trône, c'est l'actuel, qui totalise 20 ans maintenant. Et sous son règne, notre prophétesse, Maman Bagéounio, s'est manifestée. Donc, à travers lui, mais à toute la communauté d'Ima, en ce qui concerne les dates de messe d'Ima. De quoi s'agit-il? En 2010, des frères sont allés rencontrer le chef suprême pour demander qu'on puisse caler la date de messe des nuits de juin à juillet. Pour une question de cohésion d'union, il a marqué son accord. Les prières ont été faites pour qu'on puisse rentrer en juin, le 1er juin 2010. Malheureusement, au moment où on s'apprêtait à rentrer en messe de nuit en juin, là où la prophétesse va se manifester, et je pense que vous êtes tous au courant ici, elle a rendu une visite très musclée au chef suprême, qui a failli coûter sa vie, pour lui dire que ta date à laquelle tu veux rentrer, c'est pas ma date, et que ma date est passée. Nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé. Mais quand tu dis ma date est passée, alors que tu t'apprêtes à rentrer en juin, c'est que la date c'est soit mai, soit avril, mais en tout cas c'est antérieur à juin. Le chef suprême a fait un communiqué pour demander aux uns aux autres de ne pas rentrer en messe de nuit en 2010. Certains frères se sont entêtés. Ils ont fait la messe de nuit. Les conséquences, nous les connaissons. Ce qui s'est passé, ce n'est pas à moi de le dire, nous le savons tous. Pour ceux qui ont conduit la messe de nuit à cette période-là. Depuis donc 2010, donc c'est-à-dire 2011 jusqu'à 2018, j'ai même fait une publication à cet effet pour ceux qui suivent les réseaux sociaux.
J'ai donné les dates des messes de nuit de 2011 à 2018 et toutes les messes de nuit ont été faites de mai à juin. Et je peux dire, en dehors des morts naturels, personne n'est mort. La prophétesse est restée tranquille dans sa tombe. Elle n'a plus revisité le chef suprême et nous sommes là. Alors, la question c'est de savoir au nom de quoi, cette année, on devrait faire la messe de nuit de juin à juillet. Voilà la question. Deuxièmement, vous savez, la prophétesse est originaire du canton Lébier. Et étant en alphabet, et nos parents sont là, c'est que le Démaba pourra appuyer, vous savez, à l'époque, nos anciens, quand ils donnaient des dates, ils prenaient des références. Soit au moment où on récoltait l'igname, au moment où on faisait la récolte du cacao, ou au moment où on faisait la récolte du café, c'était comme ça qu'ils parlaient. Et donc la prophétesse, naturellement, fille Gaudier, en parlant, a pris des références par rapport à sa réalité, je dirais, villageoise. Donc par rapport au canton Lébier. Je donne un exemple. Il y a 2 mois, j'étais au Ghana. Et étant au Ghana, je m'étais rendu compte que les mangues étaient sorties et que les mangues étaient en train de disparaître. Il y a 2 mois. Alors c'est 2 mois après, vous êtes d'accord avec moi que c'est maintenant que les mangues sont sorties à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce qui voudra dire que si la prophétesse était par exemple ghanéenne et qu'elle disait que c'est au moment de la sortie des mangues, naturellement, si tu es en Côte d'Ivoire, tu veux considérer le moment de la sortie des mangues, il est clair que tu vas considérer avril-mai. Et si tu devais considérer la sortie des mangues en tant que femme ghanéenne, tu allais considérer que c'était mois février-mars. On voyait la question des références, pourquoi c'est extrêmement important. Nous avons aussi assez de références. Mieux, nos parents Gaudier, papa était là, disent que pour eux, l'année, la première lune de l'année chez eux Gaudier apparaît en décembre. Mais si la première lune de l'année apparaît en décembre, naturellement, la sixième lune de l'année va apparaître en mai. Ça ne peut pas être autrement. Mais ce que je voudrais dire aux uns aux autres, c'est qu'il faut faire la différence entre moi et moi. C'est vrai qu'on s'interroge. Le frère France des soucis. Vous dire quoi? Nous les Baoulés, je sais que dans nous tous, nos ethnies, ça existe. Chez nous les Baoulés, parlant de moi, on va dire Anglo ou bien Sra. Mais le Anglo que le Baoulé dit ou bien le Sra, ce n'est pas le mois de janvier. Pour nous, quand la lune sort aujourd'hui, peut-être le 16. Le 16, la prochaine lune va sortir peut-être le 15 ou le 16 prochain. Le Baoulé dit ça fait Anglo-Kun. Ça fait un mois. Mais ça fait Sra-Kun. Ça veut dire même si la lune sort le 20 aujourd'hui, ça sort peut-être le 19 du mois prochain. C'est ça qui fait un mois chez nous, les Baoulés. Ce n'est pas le 1er janvier au 31 janvier qui fait un mois. Ça, si on se comprend. Et je pense que dans nous tous, nous sommes ici nos ethnies, on a cette façon de désigner le mois. Donc les Gaudiers ne comptent pas janvier, février, mars. Non. Ils comptent par rapport à leur référence, par rapport à ce qu'ils viennent de dire, par rapport aux sorties de lune et les mois qui s'adossent aux sorties de lune. Donc il est clair que quand on va sur ce plan, on ne peut pas s'entendre avec quelqu'un qui prend le calendrier qui regarde le mois de janvier, février. Parce que quand il regarde le 6e mois, c'est juin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voilà un peu. Papa était là. Voilà un peu comment le choix de la date de messe de nuit a été guidé. Ce n'est pas un fait, je dirais, c'est pas quelque chose de hasard, mais c'était vraiment bien pensé, bien réfléchi. Les dignitaires étaient là. Les vieux du canton Lébier, les dépositaires du débat étaient là, et c'est ensemble, après argument, après échange, que nous avons choisi cette date. Certains nous ont fait remarquer que quand on rentre en messe de nuit, il y a la Pentecôte qui suit. Mais comme malheureusement, pour l'instant, au Déima, nos lésés n'ont pas encore démontré que le Déima est tributaire de la région catholique, donc on ne peut pas s'adosser aux catholiques pour choisir notre date de messe de nuit. La preuve, vous avez observé, il y a eu une année, je ne me rappelle plus,
où nos frères musulmans étaient en carême en janvier. En décembre jusqu'à janvier, ils étaient en carême. Au moment où on faisait 1er janvier, ils étaient en carême. Donc on ne peut pas dire que, comme souvent notre date de messe de nous coïncide derrière les musulmans, donc nous aussi on va faire notre messe de nuit en janvier ou en. C'est pas faisable. 2002. Nous sommes des imams, nous avons notre doctrine, nous avons nos façons de faire, on a nos dignitaires qui sont là, on a tout, nous sommes une religion à part entière, une religion complète. Donc on n'a pas à vouloir regarder sur les autres pour déterminer notre fonctionnement. D'autres m'ont dit aussi que oui, en son temps, on dit qu'on a fait les messes de nuit en juillet, on a fait même en août, on a fait ceci, pourquoi la prophétesse n'était pas manifestée, etc. Oui, mais il faut que nous sachions une chose. Nos lésés le disent, nos dignités également. Tout ce qui se passe au ciel, c'est la même chose qui se passe sur terre ici. C'est une duplication. Autant que nous sommes ici. Les Edouri, s'il fait un enfant aujourd'hui, je le souhaite d'ailleurs, si sa femme accouche, l'enfant a 6 mois, si on donne à manger à l'enfant, nos mamans le savent. Souvent l'enfant, il fait pipi dans la nourriture. Maman, ça a déjà existé, non? Il pisse dedans, bien, il prend la nourriture, il met à terre, machin et tout. On ne le frappe pas quand il fait ça. Il dit non, hé hey, papa, ne fais pas ça. Ça là, on ne pisse pas dedans, on mange. Mais quand l'enfant, le même enfant a 10-15 ans, tu lui donnes la nourriture, il pisse dedans. Ça, on ne dit pas qu'on mange, mais on le frappe. N'est-ce pas? Ça veut dire que chaque chose a son temps. Plus tu grandis, je suppose que tu as pris la responsabilité, tu as pris conscience et on ne tolère pas cette chose. Ce qui a été toléré avant, parce qu'on estimait que peut-être il y avait moins d'intellectuels au Délima, il y avait moins de. Je ne dirais pas des personnes. Bon, je ne me tiens pas à ça. Mais peut-être il y avait moins de personnes à guérir, moins de lésés qui étaient capables de discuter pour choisir la messe de nuit. Peut-être à ce moment, on tolérait beaucoup de choses. Même nos parents faisaient certaines prières. Nos parents maoris, surtout, n'étaient pas godiers. Il y a des gens même qui chantaient avant. Et c'est maintenant qu'on a pu redresser un peu. Parce que bon, voilà. Et Dieu bénissait quand même avec ça. Mais aujourd'hui, où on a les moyens, on a les téléphones, on a tout, pour venir apprendre, pour venir à l'école, pour améliorer ce que nos parents ont fait avant, si on se complaît à rester dans ce qu'ils ont fait avant, on n'aura pas la grâce et la bénédiction qu'ils ont eue hier. C'est pour ça qu'il faut adapter les choses. Voilà donc la quintessence du message que je vais vous passer. Vous dire que vous êtes sur le droit chemin. Je dis merci d'avoir accepté de respecter ces dates, de respecter le chef suprême. Et vous dire merci à travers moi. Et voilà un peu l'essentiel. Le petit détail.